parc Astérix pour la deuxième nocturne. Alors ça va être génial, aujourd'hui j'annonce, j'ai la voix toute cassée, ça risque pas de crier bien fort dans les rides. On commence par Osiris avec le train 3 qui est toujours en nylon, on sait pas si les deux autres ont bougé. Par contre, chose incroyable, il y a déjà les trois trains. Les trois sont déjà sortis. Voilà, ben on voit tout de suite un deuxième train qui part. Donc ça enchaîne assez vite. Voilà, le train 3 n'est que là, ils ont déjà envoyé un autre train quand même. Hein. Ah ben ils l'ont même envoyé trop vite, il s'arrêtait en haut. Ah, ça c'est à tous les coups parce que comme il est froid, il avait pas dégagé la zone à temps. Forcément ça fait ce genre de problème. Bon, c'est pas grave hein. C'est pas grave. Remarque qu'ils ont pas éteint les lumières du lift aussi. C'est la première fois qu'on voit le lift allumé en pleine matinée. Il y a un petit bug de lumière là, ça marche pas très bien. Bref. Et c'est parti. Osiris au petit matin. Avec les lights du lift allumés. Ils ont pas éteint. Voilà, le train passe tard là, dites donc. Ça va être génial, hein. J'ai plus de voix, je vais pas pouvoir crier. Ça sera un ride silencieux. Quoique pas trop, puisqu'on a le train 3 quand même. Ah oui, on a quand même pris le train en nylon, hein, évidemment. Il n'y a pas encore les chauds. Assez vite pour l'instant. Après c'est que le matin aussi. Ah non, ça risque pas de repartir tout de suite. C'est la fin de journée, hein. C'est dès le premier ride. Je vois que j'ai pas assez de voix pour crier. Osiris, on en a fait plusieurs, c'était bien. Bon là maintenant la file s'est remplie, hein. On peut pas le refaire tout de suite, parce que le temps que je le repasse, il sera l'heure d'aller manger. Dommage. Donc on l'a fait trois fois, c'était bien, c'était cool, ça s'est pas rempli trop vite. Apparemment à Tuta, c'est le bazar, donc on va pas y aller maintenant. Je pense qu'on va plus y aller en milieu d'après-midi, voire seulement le soir quand il fera nuit. Ouais. Oh, le plus grand c'est quoi ce random là?
bon, bah eux c'est vers le Sirius donc ça va. Ouais, moi j'allais manger. Ouais, bah, tu vas manger, tu vas poser. Ah, Caius, Caius. Ok. Ah, super, hop. C'est le plus gros random fuck que j'ai vu, non mais. En plus, je vois quelqu'un qui te ressemble derrière, je me dis, attends, je veux quand même pas la croiser. Et là, je vois que t'es devant, je fais, mais non, mais c'est encore pire. Donc voilà, voilà. Avoir bien mangé, nous allons faire. Vous attendez tous à ce que je dise Goudurix, mais non, en fait, non, on va pas du tout. On va pas du tout faire Goudu. On va Oz là-bas. Non, je pense qu'on va aller se balader un petit peu dans le parc. Là, en plus, il commence à pleuvoir. Météo désastreuse de cette année 2024 qui a été placée sous le signe de la flotte. Hein. Clairement, il a plu. J'ai l'impression qu'il a plu tout le temps. Bref. Donc je pense qu'on va aller se balader un peu dans des zones du parc, peut-être aller voir le Sirius, peut-être faire quelques mazes. Et après on va aller voir les singles aussi. Parce que là ça y est, il est midi passé, les singles ont peut-être commencé à ouvrir sur Oz, sur Tuta.
tournée à Osiris. La vérité, c'est qu'on voulait faire Toutain, mais Toutain, il est cassé. Apparemment, c'est déjà sa deuxième panne. Du coup, on va rester sur Osiris. Et en plus, regardez, la file a baissé. Ça commence là. Ça va, c'est pas énorme hein, non plus. Il y a un peu de monde, mais ça va, ça pourrait être pire. Bon, maintenant, que faire? Tombeau des dieux, c'est rempli. Enfin, rempli. En vrai, ça va peut-être, mais voilà, il y a un peu de monde. Toutain, on sait pas s'il est réparé. On peut aller checker. Mais dans tous les cas, je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire. Puisque bientôt, il va falloir aller chercher le bracelet pour la nocturne. Eh bien oui! Et sans bracelet, sinon la nocturne, on ne pourra pas y rester. Osiris tourne bien, la single est ouverte. On a pu en faire plusieurs, c'est cool. En plus, le ride est bien chaud. Quand t'as le train 3, bah, forcément, c'est excellent. Réussir à faire un Toutain, incroyable. Celui qui n'a pas fonctionné de presque toute la journée en fait. C'est peut-être le premier Toutain. Allez, on va y croire, on espère qu'il ne replante pas. Oui. Ce sera peut-être le Toutain de la journée. Sûrement il y en aura un. Wouh. Ouais. Bon, toujours sans crier trop fort, mais toujours la voix pétée hein. C'était bien. Et j'ai toujours la voix explosée. Bon allez, après ce ride là, faudra aller chercher le bracelet nocturne. Parce que là il est 15h. Ça c'est la file de Toutatis maintenant qu'il a réouvert. En vrai on râle avec les pannes, mais on a eu du coup un bon timing en fait. On l'a fait avec une vingtaine de minutes quand il a réouvert, donc on s'en sort bien. Maintenant je pense qu'il est à 1h, il est grimpé à 1h. Bref, du coup là on va aller chercher le bracelet nocturne. J'avais marre hein, de me voir marcher dans tout le parc. C'est bon, nous sommes équipés pour ce soir. Allez, repartons rider. Non, sérieusement, on a dit qu'on arrêtait ce genre de scène où on marchait dans tout le parc. Remarque, parfois ça permet de choper des moments rigolos. Thank you.
petite pause manger avant d'entamer la nocturne en tant que telle qui devrait démarrer dans pas longtemps. On voit Pégase qui passe à côté. Et on mange assez en avance, donc avec un peu de chance, on devrait avoir le défilé des monstres de 18h et quelques, enfin de la de celui qui correspond à la fin de journée à 18h. On va peut-être en profiter un peu. Ça va être l'heure du Osiris de nuit. On a commencé à s'échauffer au Sirius, on reviendra. Mais bon, là, c'est le moment de faire Osiris. Il va bientôt y avoir le premier show dans quelques minutes et nous, on va essayer de le rider pendant le prochain. En essayant d'avoir ce train-là, bien sûr, mais ça, c'est pas gagné. Déjà, avoir le show, c'est pas gagné, mais normalement, on est large. On devrait pouvoir anticiper facilement. Chaud, mais tout juste. Il y a vraiment un bus qui a rempli la file d'attente first row au moment où je voulais le faire. Du coup, on la limite. Bon, on voit les lights à côté quand même qui dansent. Non, on n'aura même pas une fontaine quoi. En fait, il aurait fallu avoir le train d'avant, mais ça fait de la merde dans la file d'attente. On se fait gruger une place par des fils normaux.
voilà, c'est terminé. Et les trains qui stackent. C'est le train d'avant surtout qui a mis du temps à dispatch. C'est pas le nôtre. Le nôtre il est parti vite. Qui ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu, je sais pas, un bus qui est rentré dans la file first row, littéralement. Vraiment. On devrait interdire ça, les groupements de 50 personnes qui rentrent d'un coup dans la first. Alors qu'avant, il y avait personne. C'est terrible. Parce qu'au final, le show, je l'ai vraiment arrêté à un train près. Après, je pense que mon ride n'est pas dégueu non plus. Hein. Il y avait les lights qui faisaient des beaux faisceaux lumineux dans le ciel, très visibles. Que là, ils ont fini par éteindre d'ailleurs. Mais moi, j'avais ça. Ils n'avaient pas encore allumé les lights générales de la zone, quoi, l'éclairage. De la zone, donc je pense que mon ride est pas dégueu. Mais bon, pourquoi est-ce que 50 personnes rentrent d'un coup? Pourquoi? Bref, je pense qu'on va retourner au Sirius maintenant. On va y rester pas mal de temps. Et ensuite, on fera un dernier ride. Mais je sais pas sur quel coaster. Est-ce qu'on le fera sur Oz? Ou est-ce qu'on ira quand même chercher un dernier Tuta? Ça va être sympa, un dernier Tuta. Même si l'ambiance à Oz est plus cool.
dernier Osiris. Après avoir dansé jusqu'à ce que ça s'arrête, ça fait un dernier ride. Je suis complètement mort. Je pense que demain je vais même pas mixer. Je serai trop en incapacité. Donc là on va rentrer gentiment. Voilà, on profite une dernière fois d'Osiris. Bon, qui malheureusement n'a pas tous ses trains avec des roues nylon. Du coup le dernier ride on l'a eu en poly aussi. C'est un peu dommage, mais bon. Bon, bref. Vous voyez qu'on dit, ça va être pire après tout. Voilà. Et sur ce, on va rentrer. La prochaine nocturne, ce sera pas tout de suite. La semaine prochaine, on revient bien au parc. Je serai pas tout seul. Mais on fait pas la nocturne, malheureusement. Dommage. La prochaine nocturne, elle, ce sera le 9. Le 9 novembre. Allez, sur ce, on vous laisse. Regardez comme c'est beau, c'est tout bleu. On vous laisse et on vous dit et plus. J'ai plus de voix, c'est terrible.